Hey, zanmi, m pral lesi jodi a, pral esplike ou sa ki rele candlestick psychology. An pil moun, gade ekran la kon ya, epi yo di ou kon sa, le ou wè yon candle vert kon sa, karèman yo di ou sa se yon candle ki, sa son candle baye li, non, sa se yon, menm kon, li se yon bullish candle, se pa yon bullish candle liye, li se yon bearish sentiment. Pou ki sa, li se yon bearish sentiment? Li se yon bearish sentiment, paske yon baye ke li range. En trading. En léa, il veut dire bullish. En bas, il veut dire bearish. Non, mais il veut dire neutre. C'est-à-dire que range là, c'est différence gagnée entre high avec low. C'est-à-dire pour week là. Par le fait que close là, regardez bien, oui, close là, li près low, eh bien, li c'est un bearish sentiment. Logiquement, ça veut dire que c'est celle qui a poussé pour y'a. Kounya, maintenant, regardez bien, oui. Mais un candle rouge là, en plus le monde va le dire comme ça, oh, si on, par le fait qu'on laisse ça rouge, c'est un selle, non, il n'y a pas de candle selle, c'est un qui ça, un bullish sentiment. Pour qui ça a un bullish sentiment, c'est parce que close là, il est tout près high là, mais ça qui high là, mais high là, mon exemple, ouais. Alors, ça a un là qui fait que ça c'est bearish, mais ça, mais candle bearish là, candle rouge là, ça c'est bearish. Mais cependant, kendo sa ou li kokendoa et li même body kendoa li égal c'est différence qui gagne entre open avec close ça li même li c'est un neutre c'est-à-dire que ou pas connaît silberish ou pas connaît silbullish par exemple mais un kendo qui neutre pour qui ça parce que l'inamitant mais ça c'est parti zone mais ça c'est vert là c'est inamitant qui lié ben moi prendre pour et pas parce que ou est ça rouge pour dire que c'est bearish lié non il pas bearish pour que ça il pas bearish parce que close là mais week là mais ça sont week close là mais ça c'est close là il tout près high là depuis close là tout près high il c'est bullish mais regardez ça pour ouais là par le fait que et close là li tout près et loa et bien li c'est un bearish regardez là pour par le fait que close là li tout près high là et mais high là c'est mais en l'air en supposant que ça c'est week là li c'est un bullish sentiment qu'on a automatiquement ouais ça pour qui ça c'est parce que pour OK nous dit que nous connaît que c'est là c'est poussé c'est seller qui a poussé prix à down là là lui même c'est buyer qui a poussé prix à up ouais mais ni ouais regardez ouais week là mais week là par le fait que c'est seller qui seller soutient l'air la descend ça veut dire que la vient atterrir là et bien ça c'est buyer lui même lui sorti dans qui ça dans l'eau pour la dans high ça lui même lui sorti dans high les sorti dans l'eau pour la dans high. Depuis que vous sortez dans l'eau pour aller dans high, ça veut dire que mais ça c'est l'eau, ça c'est high. Mais de sortir dans l'eau pour aller dans high, ça veut dire que il y a un sentiment, c'est-à-dire que là buyer en contrôle. Là veut dire que seller en contrôle, c'est-à-dire que seller en contrôle là à 90%. Ouais, mais puisque seller en contrôle à 90%, ça veut dire que là c'est un bullish sentiment qu'on a au même pour qu'on ait qui ça pour faire. Et ça fait tout dans académie. Et ça fait une académie et puis nous expliquons. Et ça fait une académie nous expliquons qui j'ai pour faire ça. Vin joindre et nous dans académie, nous montrons qui ça qui relie et candlestick psychologie. Nous montrons exactement qui j'ai pour faire interprétation. Il y a diverses liens entre idéologie candlestick et ça tout qui relie tout à idéologie candlestick. Venez dans Braspam Academy. Venez aller dans www.braspamacademy.com. Et puis, vous pouvez que je vais vous montrer en académie pour qu'on contrôle. J'espère que vous comprenez pour l'autre vidéo encore.